Africains, africaines, bonsoir. Ivoiriens, ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui. On est quel jour 7 avril. Nous sommes mercredi 7 avril 2021. Et j'aimerais vous raconter une histoire. Et puis après ça, on va avancer comme je fais habituellement. Aujourd'hui, je suis dans la tenue de chez moi. Ça s'appelle le pagne d'Ida. Il y a beaucoup de personnes qui, qui appellent ce pagne-là Allons à Gagnois parce que dans le clip vidéo du groupe qui a chanté la chanson Allons à Gagnois, on voit ce pagne-là dedans. Et donc les gens ont décidé d'appeler ce pagne-là Allons à Gagnois. Le nom originel de ce pagne, c'est le pagne Dida. Normalement, ce pain, il, est, il, est, il est fait à base de fibres de raffia. Et c'est un pagne traditionnel qui est fait dans la région du Lot-du-Bois et du Boclay, c'est-à-dire Divo, Lakota, Fresco, Guitry, Sassandra. Dans cette zone-là, c'est le pagne traditionnel de là. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, on est capable de faire ce pagne-là dans les usines avec du coton. Mais ils ont gardé le motif originel. Et donc, j'aimerais euh, préciser que ce pagne, ce n'est pas le pagne, allons à Gagnoa, mais c'est le pagne d'Ida. Et son nom, dans, dans la langue de chez nous, c'est le qui c'est-à-dire le pagne de fibres de raffia. J'aimerais vous raconter une histoire aujourd'hui. Et puis je vais tirer une leçon comme habituellement. Le titre de ce direct c'est le passage très important du témoin entre les générations. Nous avons une génération avant nous, nous sommes de cette génération, nos enfants, ils sont d'une autre génération et leurs enfants, etc. etc. Alors cette histoire se passe dans un village. Quand, c'est-à-dire quand on doit passer l'embouchure, il y a la, la mer, il y a le fleuve, c'est sur le littoral. Et à un moment précis de l'année, on passe l'embouchure. Quand je veux si je veux traduire ça dans ma langue, c'est passer l'embouchure. Le petit un morceau de terre qui est entre la mer et la lagune, ou bien le fleuve, ou bien un étang, peu importe, une autre étendue d'eau. On creuse et on fait en sorte que la mer et cette, cette étendue d'eau-là se croisent. Et pendant cette période, on pêche le poisson. Les gens ont toujours fonctionné comme ça, de génération en génération. Ça s'est passé comme ça. Et quand c'est le moment de le faire, ceux, les adultes, c'est-à-dire que ceux qui sont avancés en âge, c'est eux qui dirigent les opérations. Et ceux qui sont plus jeunes, ils observent et puis ils apprennent en même temps. Et on leur dit faites ceci, faites cela. Cette année-là, c'était le moment de passer l'embouchure. Les jeunes gens, on les a appelés, les adultes étaient là, tout le monde était là, chacun avait ce qu'il fallait pour ça, pour pouvoir prendre le maximum de poissons, et tout et tout. Et le plus âgé de, des adultes là, il a demandé à un des jeunes qui avait l'air le plus, qui avait le plus, qui était le plus vigoureux, c'était lui comme il était une sorte de leader. Parce que dans les générations, il y a toujours un qui est leader, hein, et ça ne s'apprend pas, c'est-à-dire qu'on est avec. On va pas à l'école pour devenir leader. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des études et tout, mais naturellement, on a des prédispositions à être leader. On a des prédispositions à mener les autres. On a des prédispositions à conduire les autres. Et dès l'enfance, le, les gens qui sont adultes, ils sont capables de déceler chez certains jeunes cette habilité à se faire comprendre ou à se faire suivre. Donc parmi ces jeunes-là, il y avait un depuis l'enfance, on avait remarqué qu'il avait quand même cette facilité à se faire écouter. Et donc, quand c'est comme ça, c'est lui qu'on met devant. Cette année-là, donc, on demande à ce jeune-là de poser un acte. Il trouve que l'acte est humiliant pour lui. Parce que quand ils sont arrivés au bord de, de l'eau, c'est-à-dire au bord de la mer là, et on devait passer l'embouchure. Il y avait les jeunes filles qui étaient là, tout le monde était là parce que chacun devait pouvoir prendre le maximum de poissons. Et le chef, pas le chef du village, hein, peut-être l'instructeur ou bien le formateur. Vous savez que dans nos sociétés traditionnelles, on avait toutes ces choses-là. Hein, il y avait les gens qui formaient, il y avait les gens qui faisaient ci. Les tâches étaient très bien dé déterminées, très bien définies. Et donc, celui que l'instructeur, c'est le nom que je vais lui donner. C'est correct? Et les gars, ça va? Oui. Ok. L'instructeur, donc, lui demande de descendre parce qu'ils ont fait une sorte de canal. Et le canal, là, il, il, il relie la mer. Oh, tu as raté ton bus. <laughs> excusez-moi, excusez-moi. Si tu courais, mais c'était là, tu vois. quoi taxi alors. Hein? Tu, tu peux? Comment Non, je... Excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. Non, moi j'ai mon téléphone ici. Non, elle est malade. Donc quand j'ai dit que tu peux recevoir l'argent. Oui. Ok, on va faire les vidéos. On prend son téléphone. Excusez-moi. On fait les vidéos, mais on est mères de famille aussi en même temps. Et donc... Euh... Et donc... L'instructeur lui demande de descendre dans le, dans le, dans le canal qu'ils ont fait. Entre temps, les jeunes filles sont là. Et puis parmi les filles là, il y a celle que lui convoite. Et il trouve que c'est humiliant pour lui de descendre dans le canal. Ça veut dire qu'il va descendre dans le canal. Il va être mouillé parce que il faut se, comme se baisser. On met une, as, une, as, une as. On met ça dedans et puis on fait sortir le nombre de poissons. et ce, Donc c'est lui l'instructeur voulait euh, il voulait que ce soit lui qui fasse qui pose ce acte là et il voulait pas descendre, dans, il voulait pas descendre dans, la, dans, 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 dans le canal là, parce que s'il descendait dedans comment lui comme ça là, et puis la fille est là la fille là, va voir quelque chose Ah non et l'instructeur insistait donc il descend dans la nappe il descend dans, dans, le, dans le canal le, le monsieur lui dit mets toi sur les genoux et puis il crie lui, il ne veut pas se mettre sur les genoux. Parce que s'il se met sur les genoux, tout son habit va être mouillé. Et puis bon, ça, ça, ça ne sera pas chic. Il dit Mais, mais, mais baisse-toi, ça veut dire quoi ça On te dit de, de baisser, tu n'entends pas Non, mais c'est quoi Ça veut dire quoi Il crie. Tu es idiot ou quoi Et lui, il décide de ne pas se baisser. Et il sort, de, de, il sort de, du canal. Il dit Mais tu, tu, te, tu te prends pour qui tu crois que quoi Et puis, Dame, je ne suis même pas obligé. Je ne suis pas obligé de venir pêcher les poissons ici. Tu crois que quoi Et puis, il commence à crier là. Et puis, il sort. Puis maintenant, parmi ceux qui le soutiennent là, parce que c'était un meneur, hein, c'était vraiment un meneur. il C'était vraiment un leader. Il y a plusieurs autres qui le suivent. Et il retourne au village. Une fois au village, il dit que lui, bon, de toute façon, lui, il a décidé de partir du village parce que... Les personnes âgées la même lui il en, a, il, en, il en a un peu marre de toutes les façons. On peut même pas faire ceci. Quand tu veux faire cela, ils sont là pour te dire non, fais pas si, fais pas ça. On peut même pas vivre en paix. Lui en tout cas, il a décidé de partir du village. Il va aller créer son village où il n'y aura pas de vieux parce qu'il en a marre des vieux. Des gens comme ça qui pensent que parce qu'ils sont âgés, alors ça veut dire que ceci et cela. C'est pas la même vie là en même là. Celui-là que lui il peut m'apprendre quoi Il croit que lui peut m'apprendre quoi « Je vais me marier, je vais faire mes enfants aussi. »« Et par rapport à ça, et puis ceci, et puis rentrer à gauche, sortir ici. » Et donc, les autres, là, ils ont décidé de le suivre. Manu, là, la séance tenante, ils il se plaignent, là, ils le suivent. Et puis, ils décident de quitter le village. Sans informer les parents, sans informer qui que ce soit, ils ont laissé les, les gens là-bas là, là au bord de la mer et tout. Ils ont décidé d'aller créer leur village où il n'y aura pas de vue emmerdants. Et puis quoi Et puis ceci, cela. Parce qu'ils pensent qu'il est âgé, alors il peut me parler comme il veut devant tout le monde. Moi, je n'ai qu'à me baisser pour aller me mettre dans, dans, le, dans le canal là. Pourquoi Regardez. Vous imaginez, non Donc, on le suit. Ils s'en vont dans la forêt là-bas. Ils sont assez vigoureux. Ils ont la chance d'être jeunes. Donc ils ont les muscles bien formés et tout. En un rien de temps là, avec les machettes là, ils ont réussi à abattre plein d'arbres. Et ils ont décidé de, 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 de dormir là. Et le lendemain, ils vont faire leur maison. Donc le lendemain, donc, les, les gens maintenant, tout le monde a fini. Mais on dit, mais ils sont où Ils sont où On dit que là, les jeunes, ils sont partis haut. Ils disent qu'ils ne veulent plus rester ici haut. Que ceci-haut, que cela-haut. Hein L'instructeur a dit hein, donc c'est à cause de ce qui s'est passé quand on allait passer le, le on est allé passer le fleuve là parce qu'on dit passer le fleuve quand on est allé passer le fleuve là c'est à cause de ce que je lui ai dit là bas là qu'il a décidé de quitter le village ah on dit oui oh qui dit que tu l'as oh. tu, 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 tu devant tout le monde, tu l'as honni, que tu as dit qu'il est idiot devant tout le monde. Donc vraiment, lui, il n'a pas pu supporter ça. Et puis maintenant, tous les autres, là aussi, ils ont dit que c'est normal. Et puis eux aussi, ils en ont marre. Ils ne peuvent même pas faire quelque chose. Quand ils font comme ça, on dit, non, ce n'est pas comme ça. Quand ils font ça, on dit, non, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire quoi ça Eux, ils pensent que quoi Vous croyez que quoi C'est vous qui avez créé le monde. Le monde est comme ça. Et puis, ils rentrent ici. Vous aussi, vous avez été jeunes. Est-ce que si c'est toi est-ce que si c'était lui à qui on avait dit, est-ce que quand lui, il était jeune là, c'est comme ça on lui a parlé, ça avait dit quoi? Bla 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 Donc ils ont dit, OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc la nuit, ils ont dormi, ils ont abattu les arbres, là, ils ont fait une clairière. Le lendemain, ils sont allés prendre la gilles, ils ont fait leur case et tout, tout, tout. Donc ils ont vécu là, ils, ont, ils sont allés dans la forêt, ils ont coupé le truc et tout, ils ont mangé et tout et tout. Et. Le leader, là, il est leader, c'est un leader. On est, on, comme je dis souvent, on est leader. Il a déjà ça. Donc, il est devenu d'office le chef de leur village. Et ils ont décidé de donner le nom, un nom qui voulait dire beaucoup de choses. Jeunesse. C'était ça le nom de leur village. Il n'y a pas de vieux là-bas. Les vieux emmerdeurs, là. Il n'y a pas ça là-bas. Et ils vont dans la forêt, ils ont, allé, ils ont tué un animal là. Ils ont dépêché l'animal. Et puis lui, il a décidé de faire de ça sa tenue de chef, sa tenue d'apparat, parce que c'est lui le chef du village jeunesse. On s'arrange donc, on enlève la, un gros animal même, on enlève euh, la la chair et tout. Et puis lui, il se vêtit de ce de la peau de l'animal. Donc la peau est encore fraîche là, donc il met ça. Il met ça, on suppose que c'est un gros singe ou un gros gorille ou quelque chose comme ça. Donc, il prend euh, l'animal là et puis il se vêtit de ça. Il fait, puis on, on coupe. on coud bien là et puis on a juste ça. Donc, c'est lui en tant que chef qui va s'habiller comme ça. Lui va être différent des autres. Et puis maintenant, le temps passe. Le soleil tape, la nuit tape, le vent tape, le soleil tape. La nuit tape, le vent tape puisqu'il dit qu'il est chef en tout temps et en tout lieu. Donc cette tenue-là, ça est sur lui. Quand on a mis la tenue sur lui, elle était fraîche. Maintenant, à un moment donné, il y en a qui ont dit, ah, mais vraiment, est-ce qu'on ne peut pas aller voir au village là-bas J'ai ma maman là-bas. Eh écoute, si tu as envie d'aller voir ta maman, tu sors d'ici. C'est vous là, vous, des, toi, 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 toi vieux comme ça, là, ta maman, ta maman. Oui, mais quand même, on peut pas... Oh, nous, on est ici, là, on n'a pas besoin des vieux ici. On n'a pas besoin des vieux ici. On fait nos choses entre nous. Si tu ne supportes pas, mais tu retournes là-bas dans le village des vieux. Ici, c'est le village jeunesse. Au fur et à mesure que la peau, là, ça séchait, ça le serrait de plus en plus. Parce que quand on a mis ça sur lui, c'était frais. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ça séchait. Et donc, ça, ça rétrécissait sur lui. À un moment donné, il étouffait. Parce qu'on lui a mis ça sur le corps. Il a mis ses bras dans les pattes. Là. Il a mis ça comme ça. Et puis, ils ont cousu. Donc, au fur et à mesure, ça serrait. Il a commencé il étouffait de partout. Hein? Voilà, chef du village, du village jeunesse, qui est en train d'étouffer. Qui est en train de mourir sous les yeux des autres. On fait quoi? On ne sait pas quoi faire. Oh, on essaie d'enlever. C'est collé sur lui. Parce que ça séchait. C'est collé sur lui. Ça fait comme un avec sa peau. On veut tirer. On ne peut pas tirer. Quand on tire, il pleut. C'est collé. Jusqu'à deux ou trois jours. C'est grave maintenant, même. Là, même pour respirer, même il a tous les problèmes. Et il y a un qui a dit Et si on allait demander aux vieux Des premiers jours, on a dit Ça il dit jamais. On va aller demander à quel vieux. Il dit On dit si là, on est capable. Et puis ceci, cela. On est capable de nous en sortir. On n'a pas besoin de La preuve Depuis on est là, là. On s'en sort. Oui, mais ça là, on n'a jamais vécu ça. Où? On ne connaît pas où. Eux, ils ont déjà vécu des choses. Ils ont l'expérience. Quelle expérience Quelle expérience quand ça, troisième jour, quand ça commence à chauffer là, lui-même, il dit on a qu'à le conduire au village. Donc on le soulève, on l'envoie au village. Le chef du village, de, du village jeunesse, on l'envoie au village agonisant, tellement le truc là, serré. On va maintenant appeler l'instructeur. On dit quoi Il explique. On explique. Et on regarde. Voilà peau d'animal qui est serrée de devenu sec sur lui. Il dit prenez-le, allez le jeter dans l'eau là-bas. Donc on le prend, on s'en va le jeter dans l'eau de tout son entier, la plume. Au début, c'est un peu difficile pour lui de se débattre parce que le truc est devenu sec sur lui. Donc il a bien avalé l'eau, c'est rentré dans son nez, dans sa bouche. Il était là jusqu'à un moment donné. La peau de l'animal a commencé à se ramollir parce qu'il y avait l'eau qui était entrée tranquillement, tranquillement. Et à un moment donné, il s'est levé et puis on a enlevé la peau là-dessus. Finalement, tu n'avais pas voulu avoir la honte. On t'a dit de descendre dans le canal pour pouvoir pêcher le poisson et puis te donner. Tu dis on t'a honni, on t'a insulté parce que selon toi, on a dit tu es idiot. Tu ne peux pas accepter on a dit devant tout le monde que tu es idiot. Devant tout le village, l'instructeur a dit tu es idiot. Donc tu pouvais pas supporter ça. Tu as décidé de quitter le village, aller créer ton village. Tu allais prendre peau pour venir coller sur toi parce que tu es le chef. Ça ça sera la nouvelle façon de montrer le chef. Tu as mis peau d'animal sur toi, ça a séché. Maintenant tu fais comment On t'a jeté dans l'eau, c'est encore plus humiliant. Parce que là, ce n'était plus ta volonté. On t'a juste demandé de te mettre à genoux dedans pour pouvoir prendre la nasse et puis faire comme ça et puis prendre le, le nombre de poissons. Tu dis ça là, c'est humiliant. Et maintenant, on t'a soulevé comme ça de tout, ton, de tout ton poids. Et puis on t'a jeté dans l'eau là. Ce n'est pas encore plus humiliant que ce qu'on t'avait demandé. Ce qu'on t'avait demandé là, c'était pour la communauté. Donc même si tu étais mouillé, oh, même s'il y avait la boue sur toi, oh, c'était pour la communauté. Où est-ce que tu es humiliant dedans? On a dit, tu, mais tu es idiot. On t'a dit de descendre. Mais tu es idiot. Parce que tu ne peux pas rester sur tes, la plante de tes pieds et puis te baisser comme ça. Et puis il dit que tu vas pouvoir. Mais toi à genoux. Comme ça, tu es pratiquement en contact avec l'eau et puis les poissons. Tu dis ça là, c'est humiliant. Toi, tu ne veux pas faire ça. On t'a insulté devant tout le monde. On t'a ennuyé. Donc, comme tu as de ça, toi, tu quittes le village. Et il y a plein de personnes qui te suivent dans ça. Il n'y a pas un pour te dire, oui, mais est-ce que non On s'en va nous tous parce qu'on a insulté. C'est nous, on a insulté. C'est notre génération, on a insulté. On n'est pas capable de supporter ça. Et ces vieux-là, nous, on va leur montrer que nous aussi, là, on est là. Nous aussi, on est capable. On est capable de nous diriger nous-mêmes. Parce que nous, dans notre génération, là, on ne crie pas sur nous en public. Parce que ça, là, ça ce ne, n'est pas normal. Est-ce que le vieux, là, il ne pouvait pas s'approcher de lui là-bas pour dire dans son oreille, mets-toi à genoux. Pourquoi il a crié devant tout le monde Oh idiot là, mets-toi sur les genoux là. Non, il fallait qu'il s'approche de lui pour lui dire à l'oreille, chuchoter, mets-toi sur les genoux pour ne pas que tout le monde entende. Parce que ça là, ça fait trop honte. Ce n'est pas comme ça on fait. Normalement, on devait faire comme ça. On devait faire comme ça. Mais l'instructeur là, lui c'est comme ça, on l'a formé. C'est comme ça qu'on l'a formé. Donc lui aussi, c'est comme ça qu'il forme. Lui aussi, là, il a formé des gens. Donc c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Et maintenant, on t'a pris. Tu dis, tu ne voulais pas te mettre à genoux, là. Tu voulais qu'on te chuchote à l'oreille. Tu ne voulais pas qu'on te parle devant tout le monde. Maintenant, on t'a soulevé comme ça de tout ton long. Et puis, on t'a jeté dans l'eau devant tout le monde. Et puis tu ne pouvais pas te débattre pour essayer de te sauver. Tu étais obligé de laisser ta bulle d'eau dans ton nez parce que tu étais coincé dans la bille. Et tu étais obligé de rester dans l'eau là jusqu'à ce que la, le, la peau d'animal qui était sur toi là ramollisse et qu'on puisse enlever. Et puis maintenant on t'a fait sortir de l'eau là. Et puis devant tout le village, on a enlevé la peau d'animal là devant tout le monde. Toute ta nudité là, on a vu ça. Puisque tu avais collé ça sur ton corps, on était obligé de couper et puis enlever tout tout devant tout le monde maintenant. C'était pire que ce que tu voulais selon toi éviter. Le passage du témoin, il s'est toujours fait entre les générations. Et chaque génération d'adultes a toujours trouvé que la génération suivante est esservelée. Et puis la génération suivante a toujours trouvé que la génération d'avant en fait un peu trop. C'est la loi de la nature et c'est comme ça. On a besoin des plus âgés que nous parce qu'ils ont vu des choses avant nous. Les plus âgés que nous, ils ont beau crier sur nous devant tout le monde, ce n'est jamais avec de mauvaises intentions. Si tu veux apprendre. Tu vas écouter. S'il avait accepté de se mettre à genoux dans le canal, il aurait su comment faire. Il aurait appris comment faire. Maintenant, quand il est allé dans, dans le village jeunesse, et si, à un moment donné, il devait faire le passage de l'eau, il allait faire comment Puisqu'il n'a pas voulu apprendre. Puisqu'il n'a pas voulu être assez humble pour se mettre à genoux dans l'eau et puis être éclaboussé par l'eau et puis la boue. Il voulait montrer que c'est lui, on crie pas sur lui. Tu voulais pas qu'on crie sur toi là. On t'a déshabillé devant tout le monde. Le passage du témoin doit se faire. Et dans nos sociétés traditionnelles, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, on va faire l'initiation. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'initiation là Comment est-ce qu'on sur l'ego des gens pour leur permettre de grandir, pour leur enseigner en même temps l'humilité, il y a beaucoup de choses qui font que quand on doit passer du du stade de l'adolescence à la euh, euh, quand on doit devenir adulte, il y a un passage qui doit se faire. Il y a toujours un, un, un comment on appelle ça, il y a toujours l'initiation, il y a toujours l'enseignement initiatique. Toujours si tu veux passer d'un point A à un point B. Il y a quelque chose que tu dois traverser. Mais si tu ne veux pas accepter l'humiliation, selon toi, tu vas la voir dix fois plus. J'ai voulu partager avec vous ce compte pour revenir un peu à ce qui s'est passé dans notre, euh, euh, dans notre actualité musicale en Côte d'Ivoire. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux que telle personne avait insulté M. Barthélemy Nabo. Ça m'avait choqué. Et parce que M. Barthélemy Nabo a, selon eux, insulté Vital. Moi, j'avais fait ma vidéo pour dire que je trouve que notre génération, c'est-à-dire que ceux qui, vont nous, ceux qui vont nous succéder, actuellement là, la génération des, -Nabo, des M. Barthélemy Nabo, c'est la génération avant nous. Donc, eux, ils vont nous passer le témoin bientôt. C'est nous qui allons gérer bientôt, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est nous qui serons au pouvoir. Eux-là, ils seront partis. Ils sont en train de transmettre le témoin. Et c'est nous qui allons, à un moment donné, transmettre le témoin à la génération des vitales. Et de celui qui a fait la vidéo pour insulter. Et puis de celui aussi qui m'avait invité sur sa vidéo pour m'insulter parce que j'avais dit que tu parles à quelqu'un qui peut être ton père. Et donc nous, nous devons être les gardiens de ces valeurs. Nous avons vu les Monsieur Bathalémie Nabo agir quand on était plus jeunes. Quand c'était eux qui étaient la future génération, il y avait les M. George, George Benson. Les, les messieurs euh, Joseph Diomandé, les monsieur Eugène Kakou, je vais dire c'est dans ce, dans, ce, dans ce domaine quoi. C'est eux qui étaient là. Et en ce moment là, les monsieur Barthélemy Nabo là, c'était la jeune génération. Avec les Georges Aboquet, avec les Serge Fatou, c'était eux les générations, là. Et la génération des, 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 des plus âgés là, on voyait qu'ils étaient les formés. Maintenant, c'est eux qui sont là aujourd'hui. Puis nous, on regarde. Et puis, on est en train de voir que la génération qui vient après nous fait ce que nous, on n'a pas fait. Parce que chaque génération, chaque génération adulte, trouve toujours que la génération qui vient après est esservelée. Nous aussi, on nous a trouvés esservelés. Ceux qui sont venus avant nous, là, on les a trouvés esservelés. Et c'est toujours comme ça. Et nous regardons aujourd'hui cette génération avec les réseaux sociaux. Mais c'est grave. Et c'est de notre devoir d'alerter l'opinion, de tirer sur la sonnette d'alarme. Et c'est ce que j'ai fait. Où est-ce qu'on s'en va C'est quel message on donne Les gens sont allés dans tous les sens. Ceux qui se sentaient insultés, ils, sont, ils ont voulu aller créer leur village. Ils ont voulu faire ceci, ils ont voulu faire cela. Et donc, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de l'un des protagonistes qui aurait présenté ses excuses. J'ai vu la vidéo, je l'ai écouté. On n'a pas le même style. Mais n'empêche qu'il a présenté ses excuses. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Moi, lorsque j'ai fait ma vidéo, je n'étais pas en train de dire si M. Battermin Labo a eu raison ou pas. Mon souci, c'était que la jeune génération ne devait pas agir comme ça envers une personne qui est plus âgée. Nous avons des valeurs. Et même si aujourd'hui, nous avons ce semblant de liberté avec nos téléphones et notre connexion, on peut dire tout ce qu'on veut, ça ne nous empêche pas d'avoir un minimum d'égard envers les personnes qui sont plus âgées que nous. On a beau être contre quelqu'un sur le plan politique, ou bien ceci, cela, on n'a pas à venir sur les réseaux sociaux pour insulter la personne parce que nous avons des valeurs, on a eu une certaine éducation. C'est ça. Et nous, de cette génération, nous devons veiller à ça. Et cet enfant, je lui dis, il a bien agi de présenter ses excuses. On apprend comme ça. Mais en même temps, dans ce passage initiatique, parce que lui, c'est un passage initiatique qu'il vient de faire, il ne s'est pas rendu compte. Mais tous ceux qui sont autour, qui lui disent, oui, tu as raison de faire ci et ça, qui ne les écoutent pas. Chacun a son destin, chacun doit s'assumer. Si tu ne veux pas t'agenouer dans le canal, on va te prendre et puis on va te jeter dans l'eau devant tout le monde. Et puis on va couper les habits là sur toi et puis on va voir ta nudité. Donc tu choisis. Soit tu acceptes de t'agenouer dans le canal, je suppose que c'est ce qu'il a fait. Et s'il a fait, c'est bien. J'ai vu la vidéo. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo parce que j'ai vu, j'ai fait une publication. Il y en a qui sont venus me dire que c'est faux. Moi, je n'avais pas vu la vidéo. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Je l'ai écouté. Je dit, c'est bien, c'est bien. Si tu ne veux pas, t'as genoué dans le canal, on va te soulever comme si on va te jeter dans l'eau devant tout le monde. Et là, maintenant, je viens de voir. Ma sœur, marie Bab Fadiga a publié une photo de Vital avec un monsieur. Et elle a fait le commentaire qui m'a réjoui. J'ai dit Mais c'est qui Moi, Vital, je ne la connais pas vraiment. C'est qui la dame C'est Vital. Et le monsieur qui est à côté, c'est qui C'est un enseignant, un, 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 un formateur en matière de chansons. Mais Alléluia Alléluia Dans la vidéo, je disais, si ma, ma fille Vital, si M. Battermin Labo t'a choqué, qu'il a fouetté ton orgueil, va t'inscrire dans un coup de chant. Tu vas être la première à gagner. Tu vas être la première à gagner. Si aujourd'hui tu acceptes de t'agenouer dans le canal, ma, ma fille Vital, demain tu n'auras pas besoin de t'agenouer dans le canal. Parce que tu vas venir avec une autre technique pour pouvoir pêcher le poisson sans avoir besoin de t'agenouer dans le canal. Félicitations à toi d'avoir posé cet acte. C'est d'abord un acte d'humilité que tu as fait d'aller t'offrir te, te, les coups d'un enseignant en chant. Demain, tu vas être la première à remercier M. barthélemy Nabo. Tu vas être la première à remercier M. Bathélemy Nabo. Bravo pour ton humilité. On apprend tout. Celui qui a crié sur le jeune homme, idiot, on te demande de t'abaisser là. Ce n'était pas par méchanceté qu'il avait fait. Ce n'était pas par méchanceté. Mais toi-même, il faut réfléchir un peu. C'est ce que ça voulait dire. Tu penses qu'en restant euh, euh, droit comme ça, là, tu vas pouvoir prendre le poisson? Idiot, mets-toi sur le genou. Ça a l'air tellement évident. C'était pas pour l'insulter, c'était pas pour insulter le, le jeune homme qui lui avait il avait traité d'idiot. Mais réfléchis un peu, baisse-toi. Il n'a pas voulu se baisser. On l'a soulevé, on l'a jeté dans l'eau devant tout le monde. Alors, la, le jeune homme, donc je ne vais pas toujours prononcer le nom, il a présenté ses excuses. Mais il ne faut pas présenter des excuses et puis une autre fois recommencer. Ce passage initiatique que tu as fait, mon fils. Il faut que tu en tires les leçons. Tout est peut-être utile. Euh, comment on appelle ça euh, Tout est peut-être permis, mais est-ce que tout est utile Avais-tu besoin de faire cette vidéo adressée à M. Bartholomew Nabo Est-ce que tu avais besoin de le faire Je ne crois même pas. Aujourd'hui, Vital est sauf les cours d'informateurs. Donc finalement, finalement, l'instructeur qui a crié sur l'autre idiot, il avait donc raison. Donc, M. Batelemi Nabo a dit ça, ce n'était pas dans l'intention de la blesser, ni de l'insulter, ni de la rabaisser. On l'a formé comme ça. Essayons de voir comment est-ce que nous pouvons transmettre le témoin. Avec les enseignements qui vont avec. Parce que notre société est vraiment en perdition. Vous, là, aujourd'hui, qui faites les vidéos, puis qui clashez à gauche et à droite, demain, vous allez dire quoi à vos enfants Qu'est-ce que vous allez leur dire Quand eux, à leur tour, ils vont avoir des techniques plus évoluées que ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants Puisque vous aurez fait ça pire. Vous aurez pris. Euh, je ne sais pas moi, on prend un monsieur qui peut nous mettre au monde, on vient, on le balance comme ça, et puis on dit non, il a raison parce qu'il n'aurait pas dû dire ça, il n'aurait pas dû faire ça. Non, ce n'est pas de ça, il est question. Est-ce que l'enfant a le droit d'insulter une personne qui peut la mettre au monde sur la place publique Oui ou non Moi, c'est ça. Moi, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit pour moi. Est-ce qu'un enfant a le droit d'insulter une personne qui peut la mettre au monde sur la place publique sous prétexte qu'il a dit ça, il n'a pas dit ça Non. Alors voilà ce que j'avais voulu partager avec vous. Je voudrais féliciter, moi en tant que simple être humain, simple citoyenne, féliciter Vital pour la décision qu'elle a eu à prendre. C'est une très bonne décision, une décision pleine d'humilité. Tu ne vas pas regretter. Ton orgueil a été fouetté, tu as eu mal, tu as fait ta vidéo dans laquelle tu n'as pas été violente. Ça, on va, on va te le reconnaître. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas bénéficier de demain. Parce que Marie-Bab Fadiga m'a dit que cet enseignant-là, ce que M. Batélemy Nabo a dit-là, c'est petit par rapport à ce qu'il va te faire vivre. Mais tu vas sortir avec une façon de faire révolutionnaire. Et tu vas apporter ta touche personnelle à ce qu'il t'aura enseigné. Et puis tu vas exploser demain. Peut-être dans un an, dans deux ans, on va entendre parler de toi et tu ne regretteras pas. Demain, tu vas pouvoir donner des conseils aussi parce que tu auras vécu ça. Chaque fois que tu fais une vidéo, il y a des gens qui vont pas écouter ce que tu dis, ils vont entrer à gauche et à droite. Je ne suis pas ici dans un tribunal. Je ne suis pas ici pour juger de ce que M. Batelemi a dit est vrai, est bon ou pas, C'est pas de ça que je parle. Je parle de nos valeurs qui sont piétinées, je parle de nos valeurs qui sont en train de se perdre. Quand on regarde notre pays aujourd'hui, là, c'est ce qu'on a connu quand on était enfant? Quand on regarde aujourd'hui des députés qui vont à l'Assemblée des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui insultent les gens le, jusqu'à dans le caleçon, c'est ce qu'on a connu quand on était enfant c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, là, c'est normal C'est de ça qu'il s'agit. Et pas de ce que M. Barthélemy avait le droit de faire ci ou ça. Non. Peu importe ce que M. Barthélemy a dit, un enfant n'a pas le droit de venir se mettre sur les réseaux sociaux et l'insulter. C'est de ça que je parle. Je ne suis pas l'avocat de M. Batélemy Labo, mais je suis une gardienne de nos valeurs. C'est de ça que je parle. Et c'est de ça qu'il est question. Alors écoutez ce que je dis. Regardez la lune que je montre au lieu de regarder mon doigt. Notre société est en perdition. On a le droit d'en parler. On a le droit de tirer la sonnette d'alarme. Alors s'il vous plaît, vos histoires de n'avait pas le droit, c'est pas de ça que je parle. Et je ne m'inscris pas dedans. Qu'il ait eu le droit ou pas, ce n'est pas de ça que je parle. Un enfant n'a pas le droit de venir insulter une personne sur la place publique. Quoi que cette personne ait fait dans son passé ou qu'elle ait dit, non. C'est de ça qu'il est question. Parce que vous qui dites que M. Batélémi, là-bas, vous n'avez pas le droit de faire ci ou ça. Demain, on va vous voir avec vos enfants. Ils vont vous insulter dans la rue. Vous serez content Ou bien vous aurez, ils auront le droit Non. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça, moi, c'est de ça que je parle. Nos valeurs ont besoin d'être assainies. Nos valeurs ont besoin d'être assainies. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est avant-dernière en éducation en Afrique francophone. C'est choquant. Et c'est tout ça là qui est dedans. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup à cet enfant d'avoir présenté ses excuses. Peu importe la manière, que ce soit sincère ou pas, ce n'est pas ça qui est le plus important. Il a fait, c'est ce que moi je retiens. Et Vital, elle a décidé de payer des cours pour pouvoir s'améliorer. C'est ça que je retiens. Voilà les deux côtés positifs. Peu importe ce qu'on va me dire à gauche et à droite, ce n'est pas de ça qu'il est question. Voilà. Et si nous ne tapons pas sur la table, si nous ne tapons pas sur la table, c'est nous qui allons pleurer quand on sera vieux. Parce que ces enfants-là, c'est eux qui vont... Demain, qui vont tenir nos cannes. Si on ne les recadre pas aujourd'hui, c'est nous qui allons pleurer. En ce moment, M. Batelé, il sera peut-être décédé il y a longtemps. Parce que je parle de 70 ans. Nous, nos 70 ans, nos 80 ans. Si nous ne sommes pas capables, dès maintenant, de dire aux enfants que non, tu n'as pas le droit de faire ça, et qu'on les caresse dans le sens du poil, sous prétexte qu'ils ont des droits, non Si tu ne veux pas t'agenouer dans, tu ne veux pas dans le, dans le canal, on va te prendre, on va te jeter dans l'eau devant tout le monde et on va te, on va montrer ta nudité. Si c'est ça qu'on doit encourager, ne comptez pas sur moi. Je marche pas dedans. Et voilà. Alors, je vais, en enfin, fait, je vais chanter ma, la petite chanson que j'aime bien pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est des générations qui se suivent et chaque génération doit donner le témoin à l'autre. Mettons-nous tous ensemble pour sauver nos valeurs, pour sauver notre pays qui part en lambeau. Quand aujourd'hui notre pays, on le regarde aller là, on est content de ce qu'on voit, de cette délicatesse de ce qu'on voit autour là, on est content de ça Non. Et ça commence ici là sur les réseaux sociaux. C'est là où on doit dire non, taper du poing sur la table pour dire non. Mais on va prendre à gauche, on va tirer là-bas. Non, ceci, ce, cela. Demain, là, c'est nous qui allons pleurer. Et comme moi, je ne veux pas pleurer, je fais ma part ici. Oui, on ne peut pas aller là-bas, on ne peut pas aller en box. Quand tu viens faire les choses sur les réseaux sociaux, c'est là qu'on va te répondre. Pourquoi on va aller te répondre en box Tu fais ça sur les réseaux sociaux, on te répond sur les réseaux sociaux. Et même si on est en colère, comme je dis, même quand on est en colère, il y a une manière de dire les choses. C'est pas en insultant une personne que ça, ça veut dire que ce qu'on est en train de dire est vrai ou bien que c'est là où on est fâché. On peut le dire avec la manière. Surtout quand la personne est plus âgée que nous. C'est ça qu'il faut qu'on enseigne à nos enfants. Le respect des personnes plus âgées. Le travail de mille générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations. Dans tout l'éclat de sa gloire, telle est son unique destinée. Puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre. Et moi, je vivrai pour l'aimer. Le travail de mille générations, Construira notre Côte d'Ivoire, Elle paraîtra devant les nations, Dans tout l'éclat de sa gloire, Telle est son unique destinée, Puisque braves et fiers, Nos aïeux sont morts pour la défendre, Et nous nous vivrons pour l'aimer ce sont ces gens de comportements que vous encouragez là qui ont fait qu'une certaine personne, depuis pratiquement deux ans, insulte Manang Bago sur les réseaux sociaux et puis personne ne lève le petit doigt. Parce qu'il y en a qui trouvent ça normal qu'une petite fille qui n'a même pas 50 ans. Et un autre qui n'a pas 50 ans se lève et se met à insulter jusqu'à dans son intimité une femme de ce qui a dépassé 70 ans sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui applaudissent ça sous prétexte que elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Non. Peu importe ce qu'on peut reprocher à une personne, on n'a pas le droit de venir la, dé, la, 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 la descendre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a les réseaux sociaux. Dans nos villages, c'est comme si tu te mettais au marché et tu insultais ta mère. Tu peux faire ça? Et puis déjà, gens vont encourager à faire ça Non. Nous avons lancé le challenge et il est capable justement pour ramener les choses à leur, à leur juste euh, euh, appréciation. Et c'est ce qu'on est en train d'encourager là aujourd'hui. On va encourager l'enfant là. Les gens ont fait des vidéos à gauche et à droite. Mais vous encouragez l'enfant à continuer dans ce qu'il est en train de faire. Peu importe ce qu'on va donner comme raison, non. C'est de ça qu'il est question. On dit que on a ton père et ta mère. On dit aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas que les parents euh, euh, agressent leurs enfants. Ou bien, il y a une expression là. Il ne faut pas que les parents agressent leurs enfants. Mais il n'y a pas eu d'agression ici. Ça n'était pas quelque chose de méchant ou de calculé. La preuve, Vital, bravo. Félicitations, ma fille Vital, pour la décision que tu as eu à prendre. Tu vas être la première à gagner. Et la Côte d'Ivoire va bénéficier de ça. Parce que quand tu vas faire de belles chansons, tout le monde sera content. Même ceux qui, te, ceux, ceux qui sont allés faire des vidéos pour, ta, pour, pour aller faire plus que toi là. Parce que toi, tu n'as pas pris le chemin qu'ils ont pris. Ils ont été plus royalistes que le roi. Ceux même qui, 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 qui font des vidéos pour crier à gauche et à droite là, eux aussi vont profiter de, de cette belle mélodie que tu vas nous donner après ta formation. Grâce à, selon eux, l'humiliation que tu as subie. Non, tu n'as pas été humilié, ma fille. Dieu, là, il passe par des chemins. Et on dit qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Bravo pour ton acte d'humilité. Et bravo aussi à toi, cet enfant dont je dis je ne vais pas prononcer le nom. Mon fils, félicitations pour ce que tu as fait. Tu as demandé pardon. Il ne faut plus faire ça. Si tu es en colère, si tu veux reprendre des gens sur certaines attitudes, ce qui est tout à fait normal, moi, là, je fais des vidéos, puis je ne suis pas contente envers M. Alassane Ouattara, Mme euh, euh, Kandia Kamara et tout, mais je ne les insulte pas. Je ne les insulte pas. Je rentre pas dans leur vie privée. Je ne fais pas ça. Je leur dis que je ne suis pas contente d'un certain nombre de choses, mais je ne les insulte pas. Et en tant que, que quelqu'un qui... Euh, M. Alassane Ouattara, il, 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 c'est mon papa Madame Kandia c'est ma grande sœur. Mais si je ne suis pas content d'un certain nombre de choses, je ne l'insulte pas. Je lui dis que je ne suis pas contente. Je le dis d'une certaine façon. Parce que j'ai été éduquée. Éduquons ensemble nos enfants. Cette génération-là, nous devons l'éduquer, c'est notre responsabilité. Sinon, dans notre vieillesse, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Si nous sommes là pour encourager ce qu'ils font, bisous à vous. Et puis, on ne lâche pas. Le challenge est capable. Il continue de se poursuivre. Pour la sauvegarde de nos valeurs. Pour la sauvegarde de nos valeurs. C'est nous les gardiens. Et c'est notre génération-là, demain, qui sera au pouvoir. Si nous ne prenons pas le taureau par les cornes dès maintenant, nous allons pleurer quand nous n'aurons plus de dents dans la bouche. Bisous. Bye.